Allez, on reprend, j'espère que cette fois-ci ça va le faire. Bien, donc c'est reparti. Bonjour à tous, c'est Rufo. Merci d'être avec moi pour ce live. La reprise en fait des Castlevania Timeline Project. Enfin, puisque ben voilà, il y a eu quelques petites coupures. Pas vraiment voulu, hein. Je vous rassure, c'était absolument pas voulu. Mais bon, c'est pas grave, c'est reparti, c'est le retour. Je vais y arriver. Excusez-moi, l'émotion. C'est le grand retour donc du Castlevania Timeline Project avec un nouveau setup, une nouvelle installation. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à foutre le plein écran. On va y arriver. Affichage 1, non, c'est pas ça. Affichage 0, toujours pas. Je vais pas y arriver. Hop, hop, voilà. On va y arriver doucement. Tout projecteur plein écran. Est-ce que tu veux bien? Voilà, il veut bien. Ah, bon. Puis alors, c'est pas dégueu en plus. Allez, les enfants, donc, c'est reparti pour la tour de Death. Tiens, du coup, j'ai peut-être même carrément pas besoin. Voilà, oh, comme c'est pas mal. Vous êtes en retard. Eh ouais, je sais que je suis en retard. Je sais. Salut mon Scarjay, ça fait plaisir de te voir. Ça faisait un bon moment. Tout ça. Alors, bouge pas. Hop. Voilà. Hop. Eh ben putain. Je sais pas si vous l'avez eu aussi, mais alors il y a eu un grand moment de gueulage à l'état pur. Hein. Wouh! C'était bouillantissime. Alors, on va y arriver. Clac, clac. Clac. Yeah, on va y arriver. C'est la reprise, hein, c'est doucement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai un nouveau setup en fait. C'est-à-dire que j'ai complètement modifié mon installation. C'est-à-dire que j'ai viré mon PC, j'ai tout viré en fait. Et je me retrouve maintenant avec seulement un PC portable. Et donc, ça prend nettement moins de place, mais il a fallu que je refasse absolument tout, et c'est ce qui a fait que ça a ramé un peu. Ça a entraîné quelques ramages dans le retour des lives. Alors, donc, là ici. Je sais absolument plus ce que je dois faire. Je sais absolument plus où j'en suis. Je crois que maintenant... Alors, que je m'en rappelle. Deux secondes. Parce que là, c'est la cité des brumes, la tombe de sable, la nation des fous et la forêt maudite. Ah oui, c'est ça. On avait commencé ce truc-là. Ça doit être ça, la forêt maudite. On va voir de suite. D'ailleurs, j'ai des drops, mais je sais pas si ça vient de toi ou moi. Bah écoute, j'ai perdu 8 images. Sachant que on fait du... glorieusement, on fait quelque chose comme du... bougez pas, je remets mon projecteur en plein écran. Voilà, voilà. Sachant qu'on fait glorieusement du 30 images secondes, sachant que j'en ai perdu que 8. Voilà, c'est pas énormissime. Énormissime. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien la forêt. La forêt. Ah ben ça commence bien, tiens. Qu'est-ce donc? Un 9 millénaire. Ah, j'ai déjà vu ça dans un Fort Boyard, je crois. Enfin, ils appelaient ça un 9 centenaire. Un 9 de 100 ans, ça s'appelait. Et très exactement. Ah oui, c'est vrai que ça, c'était le fouet complètement pété. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette attaque de merde? Wouh! Putain, ça m'a piqué ça. Ça m'a piqué. Alors. The question is. Tout ça j'avais fait, donc c'est parti. Tudloa. Alors allons-y, Tudloa. Un ant.
Peut-être falloir que j'évite de changer de salle. Sinon, ça va pas le faire. Oh, salut Sano! Ah, oh, fuck! Bon, de toute façon, je suis clairement pas au bon endroit pour me faire les zarpies. Je vais commencer le live par un wipe, tu vas voir. Non, ça va, ça devrait aller. Yeah! Oh. Link, la voilà. Voici la déesse modifiée. C'est une déesse qui a été modifiée par. Enfin, que j'ai modifiée avec un module acheté sur Internet. Le nom du site, c'est très simple, c'est un site américain qui s'appelle dscapture.com. Et donc voilà, tout simplement, le mec, il vend des systèmes pour stream avec sa DS. Voili voilou. Un corps moisi. Après le grand corps malade, il y a le grand corps moisi. Super. Alors, on en est où? Quarta. Ouais, on va doucement pouvoir. Là, il n'y a rien du tout. C'est parfait. Salut, papy! Qui n'a jamais aussi bien porté son nom que ces derniers jours. Enfin, son pseudo. Alors. Ce serait bien si je pouvais trouver une salle pour. Save un coup. Ça serait très bien. Comme ça, au moins, je m'en remettrai. Yeah! Ça commence à piquer. Oh, une salle de save! Alors, bougez pas, les enfants. Je suis en train de me rendre compte que le chat, il est un tout petit peu rogné. Tout petit peu. On va juste faire un petit coup. Comme ça. Voilà. On va juste aussi agrandir. Oh, c'est bien comme ça. Ouais, c'est très bien. Voilà. Allez, c'est reparti. Plouf. Voilà. Allez, go. On reprend. C'est pratique. Touk. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, où qu'il est le gros œil? Together. Together. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Ils sont chelous. Oui, c'est ça. C'est ça, Link. Ça indique. Ça coûte combien? Herbe à cadavre. Ah oui, c'est vrai. Ça coûte combien? Ça m'a coûté au total, je crois, 70 euros pour le faire venir. Plus, ben, plus une DS. Voilà. Donc, une DS tank. Donc, la DS tank, ça m'a coûté quoi? 10 euros à tout péter. Ah, d'accord. Il va pas me le viser. Ok. Allez, souffre, souffre, souffre. Est-ce qu'il fait mal quand il atterrit comme ça? Non, je sais pas. Oups. Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette salle-là encore? C'est pas possible qu'il y ait une salle vide comme ça. Avec un plumard au fond, hein. Notez bien. Notez bien. D'accord. Il doit bien se passer quelque chose dans cette salle, c'est pas possible. Bon, bah dis donc, il commence à y avoir un peu de monde là dans une sorcière. My God! Mein Gott! Ah! Qui s'est transformé en petite chatte. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà, c'est très bien. Il n'y a pas le son du jeu. Ah. Pourtant, alors, bougez pas. Ah oui, effectivement, audio du bureau. On l'a refait. Effectivement, vous n'avez pas grand-chose. Là, vous avez guère plus, visiblement. Alors, bougez. Bougeois pas, bougeois pas. Alors, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? Voilà. Là, il doit y être le son. Voilà. Tac. Hop. Et voilà. Ah, bah ça, c'est bon. Voilà, on y est. Allez. On va pouvoir jouer tranquillement maintenant, comme ceci. Effectivement, j'ai quelques petits drops de temps en temps. Mais c'est au niveau du jeu. Bon, j'investiguerai ça un petit peu plus tard. On verra un peu ce que ça donne. Pour le moment, c'est pas injouable. Allez, touc. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, comment on fait déjà? Je me rappelle plus comment on fait. Ah ben voilà. Il y avait quelque chose de caché. Bon, a priori, là c'est bloqué. Ben dis donc. Ils adorent faire des salles qui servent à rien quand même. C'est assez étonnant. Alors, figurez-vous que je me suis rendu compte d'un truc là dernièrement. C'est-à-dire que j'ai un boîtier de capture Elgato, un Elgato Game Capture, ça s'appelle. Et ben, j'ai trouvé complètement par hasard. Alors, je savais que grâce à ce boîtier, je pouvais faire de la capture
de sources qui s'appellent des sources YQV ou YPBPR, appelez ça comme vous voulez, peu importe. C'est-à-dire les sources avec 5 connectiques RCA. Et en fait, je me suis rendu compte, mais vraiment, il y a une semaine, que je pouvais directement faire de la capture en RCA. Ça veut dire que ça fait grosso merdo 2 ans que je l'ai. D'accord. Ça fait grosso modo. Et donc, ça sert à quoi ? Ah, ça s'ouvre ! Ouais, donc je disais, ça fait grosso modo 2 ans que je l'ai, ce truc. Et je me suis rendu compte que là, dernièrement, et complètement par hasard en plus, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à le tester, j'ai lancé le logiciel de capture, j'ai essayé mais vraiment de bidouiller dans tous les sens. Et à un moment donné, le logiciel me dit, mais tout seul en plus, hein, je veux dire, j'ai rien demandé. Tout seul, il me dit, oh, faites gaffe comment vous branchez tout. Donc il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Faites gaffe comment vous branchez tout, parce que si jamais vous branchez du RCA, c'est comme ça. Merde, je dis, mais c'est pas possible, il fait pas du RCA ce truc. Eh ben si. Donc voilà, je me suis fait troll par mon boîtier de capture. Et du coup, je suis tout content parce que je peux du coup déstocker l'ancien boîtier de capture que j'avais. Puisque j'avais un boîtier de capture dédié RCA. En fait le rétro quoi, et un boîtier de capture donc dédié moderne. Donc du coup je suis heureux parce que je peux me virer celui-là tranquillement, et on va repartir dans ce sens pour aller grimper. Corsage orchidée ? Non. Pour 2017, tu veux dire, Sano. Alors, au fait, Sano, ça tombe bien que je te tiens. Il nous reste, glorieusement, on est quoi ? On est le 18, c'est ça ? Voilà. Il nous reste donc quelques jours pour en finir avec 2016. Et je voulais voir justement avec toi, alors, soit par le biais du format de l'émission de Laurent, soit par un format comme on avait l'habitude de le faire jusqu'à présent, c'est-à-dire tous ensemble, chez moi par exemple. Est-ce que, enfin chez moi ou à Marseille, hein, peu importe, hein, tu sais que je suis pas chiant moi quand il s'agit de se déplacer. Est-ce que vous voudriez qu'on se fasse une petite émission en live? Où on va discuter, simplement discuter, et puis on va faire un récap 2016, donc de ce qu'on a eu, comment on a vécu cette année d'un point de vue jeu vidéo, bien évidemment. Et puis, évidemment, un petit préparatif à ce qu'on va avoir pour 2017. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense qu'une émission en vocal only serait peut-être plus indiquée. Maintenant... Si je suis complètement ouvert à toute proposition, hein, si vous voulez qu'on se fasse ça, si vous voulez qu'on fasse ça plutôt sur une émission vidéo, on peut faire ça aussi, je pense que ça dérangera personne. Donc voilà, c'est Sano déjà, ton avis à toi prime sur le reste, on va dire, et ensuite les autres, si vous voulez nous dire ce que vous en pensez. Si ça vous intéresserait ce genre de choses, vous me le dites. Et puis on va se caler ça vite, vite, vite. Puisqu'il reste glorieusement 13 jours pour finir 2016. Donc il n'y a pas de souci. Dites-moi. Qu'est-ce qu'elle fout là, Charlotte ? Chelou. Je vais plutôt continuer par là. Ah, là c'est le bus. Ok. Donc on va plutôt aller voir en dessous. En espérant qu'il y ait une salle de sauvegarde ou ce genre de.
C'est trop facile ce jeu. Sans déconner. Mais ce niveau, c'est moi ou il a pleuré de facilité, quoi. Il se passe rien. Bon, c'est pas grave. Donc, je m'en rappelle plus du tout. Mais tant pis, on va faire ça comme ça. Alors, un boss sur les flottes. Une chimère. Ah. Aïe. Mais... Bon. Ok. Ah d'accord, c'est ça la technique. Allez, 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 on plonge, on plonge, on plonge, on plonge. Wouhouhouhou ! C'est bouillant ! Alors comment ça marche déjà? Je me rappelle déjà plus comment on fait pour lancer les super attaques. Comment ça se passe déjà? Un tritouille pokchamp. Comment on fait? Je ne m'en rappelle plus. Mille lames. Comment on balance le volcan? Cube appel, cube position. Alors là, je m'en rappelle plus du tout. Ah, Link 67, c'est Johnny. D'accord. Ok. Ouais, Silver, ça c'est un jeu que... C'est un jeu que je voyais souvent... que je voyais souvent sur... à l'époque, c'était les tout débuts de Game One. Il y avait énormément de clips sur Silver. Je l'ai moi aussi d'ailleurs là sur Dreamcast, non plutôt de ce côté des étagères, il est là-bas. Bah tiens, puisqu'on en parle, allez hop, on se fait plaisir. C'est pas comme si j'avais déjà pas assez perdu de temps comme ça. Le voici, il est là, le petit Silver. Youpi ! Voilà. Donc ça c'est un jeu, moi aussi un de ces quatre là je me le ferai. À une époque, j'avais envisagé de le faire sur PC, puis le jour où j'ai vu qu'il était sur Dreamcast, je l'avais pris moi aussi sur Dreamcast. Johnny, si tu n'as pas de matos pour stream, moi du coup, je refourgue le mien. Hein. Je le refourgue pas très cher, puisque je l'ai acheté il y a 2-3 ans à 25€ sur amazon.co.uk. Donc si tu veux, je te l'envoie. Écoute, envoie-moi un MP sur Facebook et on en discute, d'accord? Allez donc, je sais plus où j'en suis moi. Ça fait un peu très mal ça.
Aïe. Ouf. C'était français, il me semble, Silver, non? Ça y est? Il est mort, le boss? C'est tout? Mais vous déconnez! Vous déconnez! D'accord, vous déconnez pas. Ok, sort de transformation qui change celui qu'il invoque en grenouille. Ah putain, c'est pour passer dans les petits passages à la con, ça! Ah, c'est très bon, ça! Du coup, je vais pouvoir me TP au milieu et puis on va remonter. Oui, c'est ça, Infogrames. Alors, Infogrames, en l'occurrence, je crois que c'était plutôt là les éditeurs. Puisque là, ça a l'air d'être un. Ça a l'air d'être un studio qui s'appelle Spiral House. Voilà. Mais oui, c'était là en l'occurrence, je crois qu'Infogrames là n'était pas en tant que studio, mais en tant qu'éditeur sur ce coup-là. Ah, mais je pense savoir pourquoi je ramouille comme ça. Parce que j'ai fait un petit paramètre complètement stupide. Et je pense que là, ça ira nettement mieux. On verra. On verra ce qu'il en est. Youp. Ah, raté! Raté. Voilà, on y est. Alors donc, on disait que là, faut que je grimpe. Tiens, le retour des harpies. Bah du coup là, je vais pas être très loin des 100% du niveau là. C'est intéressant ça. C'est pas trop mal. Bien, alors si j'allais voir un peu ce que j'ai looté, donc nébuleuse, tout ça, il est hors de question que je change. Parce que elle est juste monumentale cette arme. Elle va toute seule vers les ennemis. C'est du grand n'importe quoi. Bon, ok, forme offensive, tout ça, d'accord. Coup de raillerie, mur de pierre. Non, mais je suis bien avec ma forme offensive. Corselet d'argent. Veste de motard. Ça fait baisser beaucoup la def quand même. Allez, on va prendre le corselet d'argent. Là, ça fait baisser l'attaque pour monter que de 1 en def et en intelligence. Pouf, ça fout. Infogrames, oui, il y a des chances que ce soit fait bouffer par Atari. Ouais. Puisque de mémoire, il me semble que c'était Atari qui ont ensuite édité les nouveaux épisodes de Alone in the Dark. Donc, c'est pas impossible qu'effectivement ils aient absorbé Infogrames à vérifier sur les sites habituels quand il y a besoin de vérifier. Sandales de roi. Pff, faire monter l'intelligence, tout ça. Hein. On s'en fout. Cap. Cap sacré, ben, c'est déjà pris. Nebula Chain. Ok, et là donc Tristan et Isolde. Tout ça c'est bon. Ah! Arme tome 2. Ben, on va garder. Atari a été racheté par Infogrames. Puis plus tard, Infogrames s'est renommé Atari. Ok! Ils sont très bons les mecs. Ils sont très très bons. On claque du pognon pour acheter un truc et finalement, bah non, on revient en arrière. Ils sont trop bien. Sort de transformation. Ah voilà, ça il me le faut. Il va me le falloir bientôt. Robe d'Europe.
Ouais, après j'ai vu des trucs un peu chelous, mais bon, diadème, parce que moi je veux lui faire grimper que son intelligence à elle. Le reste m'importe peu. Là, ça fait grimper sandales de roi. Bah voilà, tiens, hop, elle a gagné sandales de roi. Cool. Ah, cap sacré, ben non, elle l'a déjà. Et Charlotte All-in, elle a le Volcan. Voilà, et je m'en rappelle plus du tout de comment. Je me rappelle plus du tout de comment on lance les supers attaques. C'est pénible. Voilà. Ah ouais, quand même. Liquidation judiciaire depuis 2013. C'est dommage. C'était pas dégueu comme, comme entreprise Atari. Youpla. Allez, donc c'est parti. Retour en arrière. Donc il va falloir que je retrouve maintenant les petits passages. Tout petits passages. Où on pouvait se transformer en grenouille. Pour passer. Alors, en l'occurrence, c'est où ? Je vois pas vraiment où est-ce qu'il y a. Il y avait un endroit à un moment donné où j'étais arrivé d'un côté et puis de l'autre. Je crois que c'est. Je me rappelle absolument plus. Je me rappelle absolument plus d'où c'était. Bon bah. Allez quelque part, allons quelque part. Hein. Mais je me demande si c'était pas à un moment donné dans un de ces deux longs couloirs. Non, la succube, non. Putain, le bisou à 26, quoi. Le bisou à 26 dégâts. Enfin, on peut chier, quand même. C'est une succube cosplay en Camille, ou c'est Camille cosplay en succube. Ils se sont auto-rachetés en fin 2013. Bah ils se sont pas auto-rachetés quoi. Du coup ils ont payé leur liquidation, c'est tout. Ils ont trouvé les fonds, point. Ils ont peut-être fait faudrait chercher, mais c'est pas impossible qu'ils aient fait une sorte de Kickstarter ou de financement participatif pour se remettre à flot. C'est pas impossible. Alors donc Quarta. Là, visiblement, il me manque un truc. Là. Oh bah oui. D'accord. Voyez-vous, je suis un peu emmerdé là. Voilà, bon, là ça va quand même mieux. Voilà, donc là, logiquement, quick, voilà. C'était donc ça. Maintenant, le problème, c'est où se situe le deuxième petit passage à la noix. Est-ce qu'il y en avait un deuxième ? Et puis alors là, les pics retournés. Le coup des pics retournés, ça m'étonnerait pas que c'est l'indication comme quoi à un moment donné le niveau se retourne. Ah putain, c'est même évident quoi que le niveau va se retourner. Alors soit le niveau, soit moi, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va se retourner.
Alors. Appelle la foudre divine. Quand même beaucoup de monde là. Allez. Ouh, chaleur. Ok, ça devient n'importe quoi. Gaibon. Gaibon. Pourquoi ça? Je t'ai jamais demandé de changer, mais ça va pas, non? Voilà. Oh, m'avait gonflé. Alors, donc, on va repartir de l'autre côté. On va prendre un peu de la potion. Voilà. Ah, fuck. C'est bizarre quand même. Le nombre de fois où ils m'ont fait des escaliers pour rien, c'est chelou quand même. Tiens, encore un boss de Symphony of the Night qui est devenu un mob standard. Il y a franchement des passages chelous quand même dans ce jeu. C'est pas possible. Ma foi. Oula. Ouais, déjà sans lui. Ça va se passer un peu mieux. Ah fuck. Hey. Ouf. Et j'étais chaud bouillant là. C'était quand même assez. Ah putain. Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Gangbang de Pierre. Non, mais n'importe quoi. C'est qui, Pierre, d'abord? Putain, qu'est-ce que ça grimpe? Ah, donc du coup, ça va peut-être me faire redescendre de l'autre côté. C'est désespérément vide dans la partie gauche de la map, donc ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné... On est une sorte de liaison avec la gauche de la map. Tiens, je me demande si les deux, ils étaient pas ensemble d'ailleurs dans Symphony of the Night. Je crois, ouais. Je crois que les deux qui sont là... Ouf. Il doit y avoir un coup où... on va me demander de... On va me filer un pouvoir pour que les deux soient en même temps sur... Oui, c'est ça. Oui, les deux étaient ensemble, mais je l'avais dit tout à l'heure que Slogra était déjà un boss dans Symphony of the Night.
Mais il me semblait bien que Slogra et Gaibon étaient ensemble. Donc, je suppose que tu as rencontré Browner. Ce n'est pas tes affaires, tu ne m'échapperas pas. Tu réalises que je n'ai rien à voir avec Browner, n'est-ce pas? Et pourtant, tu me défies. Si j'ai bien mené mon enquête, ton vœu le plus cher est de ressusciter Dracula. Alors, si tu n'es pas du côté de Browner, je dois quand même te vaincre. Me défier alors que tu ne m'as pas utilisé le fouet. Mais non. J'ai la chaîne nébulaire qui va toute seule vers ses ennemis. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle absurdité, mais je vais jouer avec toi. Ah merde! Pourquoi ça fait que... Ouah! Ouah! 78! Oh putain! Ok, je vais avoir Bobo. Je vais avoir Bobo. Ouh, ça va pas me plaire. Non. Blaf. Putain. Ça fait plaisir, le salaud. Non, 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 visiblement, le fait de mourir, ça marche pas. D'accord, d'accord, ok. Alors, il a peut-être effectivement une résiste, mais on va essayer de taper plus fort avec la Morning Star, par exemple. 52, blablabla, 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 blablabla. Alors, essayons autre chose. Ah, excusez-moi. Fausse alerte. Voilà. Youpla. Allez, on va essayer la Morgenstar. Oh, fais chier. Bon, ben là, normalement, je meurs. Ah, mais non, je pouvais l'appeler plus tôt, la meuf. D'accord, ok, alors on la refait. Parce que si j'appelle Charlotte, elle va essayer de péter les chaînes. Donc, en fait, il faut simplement... Qu'est-ce que... J'ai repris la Morgan... Non. J'ai pas repris la Morgenstern. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Masse d'armes? Non. Étoile du matin. Voilà. Waouh, mais c'est trop chaud. Ouf. C'est méga chaud. Eh non, mais ça suffit, quoi. Comment je me fais gangbang? Allez. Allez, c'est bon. Pouah, 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 pouah. Il fait super mal. Alors, il va falloir que je trouve quand même...
une salle de TP parce que j'ai plus du tout de potion et ça fait mal. Et ça fait très très mal. Donc le problème c'est que j'ai pas envie de tout redescendre. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. Il est bouillant quand même, hein. Il est un peu bouillant. Je vais garder Nébuleuse parce que je pense pas qu'en fait. Je pense pas qu'en fait. Je pense pas que ce soit vraiment important de le frapper, putain! Mais. Ah! Mais c'est. C'est pénible ce boss! Alors là, tant que je reste en dehors. Non mais n'importe quoi. Mais tu arrêtes, oui. Pouah, pouah, pouah. J'avais pris plein la bouche, mais alors gratos, quoi. Ça me gonfle. Allez, vas-y, mets-moi en plein la bouche, t'as raison. Allez, mais putain, va plus vite, quoi. Allez, c'est bon. Waouh, waouh, waouh. Salut Wevel. J'en prends plein la bouche, mais de ouf. De ouf. C'est délirant. C'est complètement délirant. Du coup, je vais peut-être essayer de descendre à la salle de TP. Eh ben, j'en aurais loot des appels de méduses. Ma foi. Ouais, non mais là il me faut un peu plus de matière pour pouvoir tenir parce que sinon je vais claquer copieusement. Alors tout à gauche. Voilà.
Je crois que c'est là le point de départ. Aïe. Puis y a Wind qui va vouloir me filer des quêtes là, certainement. Voilà, poison contre poison. Ah bah ça y est. Fais baisser tes PM puis reviens. Ouais, ok, ben on va... On va faire baisser les PM. Hein. Ça baisse pas assez vite. Raté. Essayons ça. C'est très moche. Est-ce que ça lui suffit ou pas? Non, toujours pas. Toujours pas. Voilà. Va chercher les verres épais, ça devrait te donner l'air un peu plus intelligent. Ok, je les avais déjà, c'est parfait. Chasseur de classe A, tu dois vaincre 1500 ennemis. Oui, et donc, j'en suis à combien là d'ennemis? Ah, ben on y est presque. Ok. Bon, ça valait le coup tout ça. Merde, j'aurais dû d'abord acheter les popos. Grande popo. Oula. Qu'est-ce que j'ai plusieurs fois en stock? J'aime bien garder un élément de chaque. Quitte à ce que ça me serve plus, on sait jamais. J'ai toujours peur de tomber sur un truc qui à un moment donné doit être upgradé ou je sais pas quoi. Voilà, les golds, ça remonte. Voilà, c'est bien remonté. Je suis à balle partout. Voilà, ça c'est bien. Touk touk. Sauvons, sauvons. Choup, choup. Allez donc. C'était où? C'était là. Hop là. Alors, c'était où? C'est vers la droite. Raton! Je suis bizarrement inspiré là pour esquiver les méduses. Ah, raté. J'en connais un qui va mal vivre un truc. Crapaud transfo, crapaud transfo, crapaud transfo. Bon, apparemment il a même pas pris un coup.
Oh mais non, mais va te faire foutre! Va te faire foutre, j'ai dit! Va te faire foutre! Lâche-moi! Tindy! Le bordel, Hit the Shop, il t'envoie droit dans les pics. Foiré. Ouais, c'est bon. Ah, ça aurait été ballot que... Qu'est-ce qu'elle fout là-haut, l'autre? Ça aurait été ballot que je les laisse de côté, les PV Maxio. Alors, le slow gras. Voilà. Avec l'enfilade des horloges. C'est génial. Ça file plein de pognon en plus, c'est trop bien. Hop. Allez, fais-moi mon taille. Wouah, mon gars! Truc de fou! Non! Non! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Ça sert à quoi, ça? Ça sert à quoi de m'attraper pour me faire taper 40 fois à la chaîne? Explique-moi. Explique-moi. Diablotin, qu'est-ce que t'as foutu? Ça a servi à quoi? Explique-toi, je comprends rien. Une salle de TP. Je l'avais pas vu. C'est très con. C'est très con ce qui vient de se passer. Ah, donc clairement, perdre du temps ici ne sert à rien. Voilà. Allez, on retourne. Save. Oui, madame. Merci, madame. Hop là. Allez. Alors, du coup, je vais peut-être la tenter, la masse d'armes. Mais qu'est-ce qu'elle m'a foutu, putain! Ah, mais quel con! Je voulais une hausse de force. Oh merde, j'ai pas regardé ma vie, mais quel con! Ah, c'est relou. Il est relou ce boss, pardon. Alors, on va la refaire. Nébuleuse. Je me demande si je m'en sortais pas mieux avec Nébuleuse quand même. Non. Par contre, elle, on va lui filer. Active l'œil de pétrification. Force tempête. Bah tiens, on va essayer tempête. On verra bien ce que ça donne. Allez, hop, comme ça au moins, j'aurai pas besoin de m'emmerder à refaire mes réglages.
Ah, la magie, il l'aime pas. Aïe. Oula! Ah, il a changé de stance là, puisque visiblement. Donc ça doit être une stance qui résiste à la magie, ça. Et merde. No more MP. Voilà. Allez, tant pis, on claque tous, pas grave. Ça, c'était un peu... C'était un peu moche, là, ce... Oups. Aïe. Pom 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 pom. Je vous garantis que je suis en grosse concentration là quand même. Et oui, c'est ça, il est en parade. Il est en parade contre les. Contre les attaques magiques. Allez, rechange de stance. Salut Caron. Allez, fais-lui du mal. C'est bouillant, c'est bouillant. Oh oui. Mais pourquoi il change aussi souvent là, enfoiré ? Pa pa pa. Allez, putain! Quand j'ai plus rien, je suis à poil. C'est Barjo!
Allez, pète-les, putain, pète-les! Allez! Oui! Ouh! Que j'ai pas moyen d'avoir. Est-ce que j'ai pas moyen d'avoir une arme magique? Fouet rosier. Oh tiens. Je l'avais pas vu celui-là. Allez, c'est reparti. Allez, 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 vas-y, allez, allez, bouge-toi, allez, bouge ton cul. C'est bouillantissime. Bouillantissime. J'en peux plus. Je suis fatigué, mais vous imaginez pas à quel point, quoi. Putain, c'est pas vrai! Oh oui! Hein? Allez, c'est reparti. Allez, putain! Bouge ton cul, bouge-toi, 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 putain, bouge-toi! Ha ha ha! C'est la lousasse absolue, quoi. Oh putain. Oh, j'en peux plus. Oh là 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 là. Oh ouf. Mais comment je suis crevé, quoi. Il m'a... Waouh. Waouh. Purée. Je suis claqué. Mais je suis claqué. C'est un truc de fou. J'en peux plus. Waouh. C'était bouillant. Mais bouillant de chez bouillant. Tiens, je reprends Nébuleuse pour le coup. Ouais, alors là, franchement, je me suis auto-impressionné, quoi. J'en reviens pas que j'ai réussi à faire ça, quoi. Bon, là, du coup, à mon avis, on va choper quelque chose qui va permettre de faire descendre les poids ou... Enfin, y a quelque chose à faire repartir, là. Voilà, en l'occurrence, ça. Ok. Voilà, donc là il y a un skill. Ouais, augmentation temporaire de l'intelligence, c'est vachement pratique. Youpi! Il y a un béret là. Alors, comment faire pour aller de l'autre côté? Faut que je me pèle toute la montée. Ah mais non, il y a un deuxième, d'accord.
Il y a un deuxième ascenseur. Ok. Ah mais là, du coup, je suis baisé pour ce passage-là. Voilà, c'est ce que je disais. Pas forcément. On verra. Parce que 80%, il me reste quand même un sacré morceau du château à faire. Bon, on va essayer de se trouver... Hey ! Ah, mais il y a un deuxième ascenseur en dessous. D'accord. Voilà. Et là, donc, ça me permet de récupérer la gamp. Je sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est un truc à porter. Et c'est pas pour moi. Enfin, c'est pas pour le héros. C'est pas pour Jonathan. C'est pour Charlotte. Où est la gamp? La gamp. Coiffe qui encadre le visage. Augmentation de l'attaque, de la def et de la force. Avec plaisir! Qu'est-ce que j'ai branlé, moi? Je lui ai viré une cape, une médaille. Qu'est-ce que j'ai foutu? Def, intelligence. Ma foi. J'espère que en allant vendre des trucs chez l'autre... Non, mais a priori, non. Ok, bah c'est bon, c'est reparti. Allons chercher le béret. Qui, du coup, doit être pour Jonathan. Un béret de combat. Il est où? Il est là. Bon, c'est pas mal. Toujours 7 prix. Allez, feu. Bon, bien, bien, bien. Tout ça, tout ça. Donc, maintenant, que fais-je? Parce que là, j'aurais bien aimé... Attends, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une technique à la con, là, à faire? C'est-à-dire en mettre un en-dessus, un au-dessus, un en-dessous. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture à un moment donné en plein milieu. Non. Comment je vais le récupérer ce truc? Bon, à mon avis, ce sera beaucoup plus tard. Bon, ben allez, donc c'est reparti. Grimpons. Raté, c'était pas ça. C'était au-dessus. Bon bah allons-y, hein, continuons. Quelle heure il se fait là? Allez, encore une petite demi-heure. Hop là, allez, zou, c'est parti. Donjon du maître. Vivre dans un donjon, c'est difficile pour une fille de 11 ans, qu'elle peut me dire. PV! PV! Des PV! Des PV Maxio! Alors, le donjon du maître. Ils ont quand même des sales goûts de chiottes, hein, question d'écho. Je sais pas s'il faut imputer ça à Bronner ou à Dracula, mais... Sales goûts de chiottes, quand même. Hein. Bon, de la sauvegarde. Ça fait plaisir. Pleasure. Yeah. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Une vuivre. Et... Ouais bon, passer la surprise.
Ça se fait. Ça m'énerve des salles comme ça, putain. Arrêtez de faire des salles où tu crois qu'il se passe un truc et il se passe rien. Arrêtez. Kaboom. Mais c'est le lien avec en bas. D'accord, d'accord. C'est super ça. Ok, donc ben, on va pouvoir remonter du coup. Voilà, voilà. C'est bien. Petit raccourci donc. Retour de la vouivre. La voici, la voilà. Avec la mort posée, tranquillou bilou. Avec ses sauces. Hein, avec ses deux potes sur le côté quand même. Hop, petite glissade. Pourquoi ? Parce que, tout simplement. Ensuite, c'est repartard. Vers là. Bon, ça, c'est tout nul. Les vampires rasoirs. Le petit Cthulhu, par contre, il fait un petit peu plus mal quand il sort son invoque toute chelou, là. Ouais, ça, tout à l'heure, je l'ai mal vécu. Ok. La revoilà. Et il insiste en plus, hein. Toi, t'as pas de soucis de MP, enfoiré, hein. Non, mais clairement, il en a pas, hein. Hein ? C'est gratos, les MP, pour toi, hein, contre PNJ. Bon. J'en ai pas trouvé des masses, hein, des murs pétables dans celui-là de Castlevania. Allez, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Bon, bah écoute. Hop là. Ouais, bah écoute, hein. Tu veux pas mourir, y a pas de problème, hein. Je ferai ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un démon pirouette. Non mais, c'est... au secours ! Mais c'est quoi ce nom de merde ? Le démon pirouette, quoi ! Non mais s'il vous plaît, les gars ! Mais vous pouviez pas lui donner un autre nom que le démon pirouette ? Oh mais les traducteurs, bordel ! Le démon pirouette. Oh mais c'est génial. Le démon pirouette, quoi. Ah mais au secours. Alors voilà. Oh le démon pirouette. Ah le démon tornade, pas le démon pirouette, les gars. Ah ouais, complètement, quoi. Ouais, c'est Taz, c'est ça. Bon, lui il me fait des Genki-Dama. Non mais le démon pirouette. Au secours, quoi. Au secours. Putain. Bon après je dis les traducteurs, mais voilà, comme d'habitude, ça c'est des pauvres gars à qui on a filé un script comme ça sans aucun moyen de savoir ce que les mecs étaient en train de traduire, et du coup forcément ça se passe mal. J'ai quand même l'impression. Ah oui, mais c'est vrai que... Ouais, non, j'ai raté un hall. J'ai raté tout un truc là. Oh, le démon pirouette, quoi. Eh, mais comme ils m'ont tué, le démon pirouette. C'est fantastique. Fantastique. Ouais, c'est ça. Après, il faut que je remonte. Sans déconner. Allez, crève, charognard. Voilà.
Ah bah oui, mais voilà pourquoi il y a tout un pan que j'ai pas fait, forcément. Ah mais d'accord, c'est tout. C'est un peu chelou, ça, quand même. Ouais, pas moyen, hein. Bon, je crois que je vais aller chercher un peu... Je vais aller un peu refaire le plein, parce que là, je vais quand même pas super bien. Et, oh, j'aurais pu en buter 10 de plus. Allez, on va laisser les faire les 10, là, comme ça, tranquille. 1, 2, c'est ça, 3. Un, deux, trois, ça fait 6. Ah, ça va être moche hein, ce que je vais faire. Hein. Hop, voilà. Oh, youpi! Je peux invoquer un squelette. Et voilà, 1005. Cette quête, c'est un scandale. La façon dont je l'ai rempli, c'est un vrai scandale. Dis Eric, je voulais te demander un truc. Bien sûr, quoi donc? Mon père savait-il que le tueur de vampires... Ah oui, c'est vrai que c'est Eric Lecard, j'avais déjà oublié. Que le tueur de vampires consumerait sa vie s'il l'utilisait. Non, nous n'avons appris la vérité qu'après la défaite de Dracula. C'est plus grâce à la magie, après que je... Pourquoi demander ça? Grand-père était déjà mort quand je suis né. Je me demandais s'il avait donné le fouet à mon père en connaissant la vérité. Blablabla. I suppose. Allez, chasseur de classe A, épée royale reçue. Collecte 5 cartes. Ah merde! Je me demande si j'en ai pas déjà. Apparition sacrée. Je vais t'enseigner un charme de guérison. 3 objets de nonne. Mais je les avais déjà. Je les ai pas encore peut-être. Pareil, reviens quand tu seras maudite. Ouais, bon. Ok. Je voulais acheter. Alors oui, d'ailleurs, l'épée royale, ça fait... Oh ! Oh ! Oh, mais comment c'est sale ! Oh ! Ah ! Mais mon dealer, il est où ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a eu une attaque, morsure. Un vampire a mordu quelqu'un, moi. Que vais-je faire? Aidez-moi, faites quelque chose. D'accord. Alors, est-ce qu'elle a la magie de purification? Je crois pas, hein, si elle est sereine. Chasse la malédiction. Est-ce que ça fait partie de mes quêtes, ça? Voilà, et plus de pognon. C'est fini. Je suis complètement pauvre. Youpa la youpi. Ah, il y a un truc que... Bizarre. Non, ben non, c'est pas bizarre. Excusez-moi, hop, on peut reprendre. Voilà. Alors, touc, je suis là. Faut pas que je tarde trop non plus à trouver un point de sauvegarde par la suite. Allez, merde, je me suis laissé. Allez, arrête de me bisouiller. Ouf.
Ah oui, mince. J'ai oublié de lui filer la hausse force. Voilà. Je sens que ça va être n'importe quoi. Ça fait relativement mal quand même tout ça. Pouh ! Et en plus j'ai l'impression que ça tape assez vite. Par contre j'ai déconné. j'ai perdu un maximum de... Alors, le démon pirouette. Aïe. Bon, en fait, faut simplement attendre qu'il me tourne le dos, quoi. Bon, essayons de grimper. Ouais. Bon. Jusque là, ça se passe tranquille ou bilou. Carte. Ouais, ça me permettra de faire le lien avec l'autre côté. Ah non, alors lui, alors toi, tu m'as pas manqué, mais genre pas du tout, quoi. Ah, l'épée possédée. Ça m'a absolument pas manqué, quoi. Putain, mais en plus, elle se régène. Alors, tranquille, bilou, quoi. Et je vais mourir. Oh, la bonne nouvelle. Eh bah, l'épée spectrale, elle m'a bien fait les fesses, là. Qui c'est qu'on avait, là? Ah bah, le démon pirouette, le retour. Par contre, ça met un peu 1000 ans à taper l'épée royale. Faut quand même bien anticiper avant que ça parte. Enkidama. Voilà, et donc là, logiquement, je fais le lien avec en dessous. Il y a encore un démon pirouette. Cacahuète. Voilà. Le démon cacahuète. Tout à l'heure, j'arrivais de là. J'ai réussi à le taper à l'envers. Mais c'est trop bon, ça. Ah non, ça c'est pas bien, ça. Non, c'est pas bien. Stop. Voilà. Tire un rayon concentré de puissante lumière. Oups. J'ai l'impression que ça se passait mieux quand même avec le Nebula. Hein. Enfin, avec la nébuleuse. Voilà, ça c'est fait. Bon, il doit y avoir une salle de sauvegarde pas très loin. Il y a du TP. Bon, bah, s'il y a du TP, il y a donc de la sauvegarde. Youp, où est-ce que je vais aller save? Bah, je vais aller save ici.
Oh, l'épée royale, c'est sympa, mais ça m'expose beaucoup trop. Trop proche de l'ennemi. Il va pas bien, hein, le père Vincent, là. Il va pas bien du tout, là. Il va falloir lui filer un fervex, un truc. Il va falloir trouver quelque chose, là. Alors, bla 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 bla, ici. TP! Je suis à combien là en pourcentage de cette map? Eh, 89% de la map du château. On est plus très loin de la vérité, les enfants. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle que il y a un endroit que je n'ai pas exploré, c'est vers la gauche, ouais. Donc ça devrait faire le lien ici. Dis donc, t'es un peu gros, toi. J'espère que ça lui fait sauter sa... son bouclier, à un moment donné. Sinon, ça va être un peu long. Aïe. Là, normalement, il va le lancer, je crois. Mais Gary, jamais il se pète, là, ton boubou. Ok, bon. Plan B. Ok, toujours pas. Donc, appel du tireur, non, rayon perforant, voilà, essayons ça. Ouais, la nébuleuse, ouais, elle commence à... Je vais peut-être passer au fouet rosier, parce que c'est un fouet, du coup... Voilà, mais bon, tant pis, je perds en précision que j'avais avec Nébuleuse. Voilà, là c'est bon, j'ai fait le lien. Ok, ben c'est reparti. Ouais, l'épée est trop lente. Beaucoup trop lente. Bah non, en fait... Non mais en fait ça lui met 1. Toutes les attaques que je peux lui faire ne lui mettent que 1. Donc il doit avoir quelque chose comme 30 ou 40 PV et c'est tout. Aïe. Voilà, c'est tout. 1$ ! Eh bah putain, ça valait le coup. J'ai pas du tout l'impression de m'être fait avoir. Mais non, pas du tout. Alors, le bus, il est là. Donc, ça veut dire qu'ici, il doit y avoir sauvegarde. Voilà. Non mais expliquez-moi, je veux comprendre. Pourquoi vous faites des estrades, des machins, des trucs? Pourquoi? Si on peut rien faire dessus, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et donc là...
Je vois le chemin, mais je peux pas avancer. Mais il est coupé dans l'espace. Ça veut dire... Ben, disons que quelque chose comme un mur invisible est là. Ouais, enfin, le mur invisible, ils l'ont rendu très très visible quand même, hein. Bronner dit avoir séparé Dracula du château. Voilà ce dont il voulait parler. L'aventure tourne court, impossible de continuer. Exactement, trouvons une autre route. Bon, bah, une route qui passe par un boss, au choix. Au pif, pardon. Alors, voilà, les frangines. Es-tu enfin prêt à mourir ? Loretta et Stella. Ah, c'est ce qu'on voit dans le générique au début. Say your prayers. Ah d'accord, l'autre elle m'a envoyé les morceaux dans la bouche quoi, carrément. Ok, j'ai un peu appelé Charles pour rien. Waouh ! Et elle m'a saccagé la bouche, mais copieux quoi. Oh là 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 ! De toute façon, pour aujourd'hui, j'irai pas beaucoup plus loin. Il a quelle durée de vie ? Ben écoute, là j'en suis à 5 heures de jeu. Compte tous les... comment ça s'appelle ? Compte toutes les fois où j'ai dû crever et revenir. Parce que je suis mort un petit paquet de fois quand même. Hein. Il y a des boss, ils sont franchement pas évidents. En fait, elle, c'est pas très dur de les taper. Donc, je peux prendre l'épée royale. Voilà, excusez-moi. Donc, je sais pas. Je me rappelle pas bien quelle durée de vie avait Symphony of the Night. Ce qui est sûr, c'est que Symphony of the Night, à l'époque où je l'avais fait, je sais pas, combien de temps il nous avait fait Symphony of the Night, sachant qu'en plus Symphony of the Night, il y a le château retourné aussi. Ok. Un peu mal les frangines quand même. Aïe, aïe. Me suis retrouvé sous la pluie de glace là. J'ai tout pris dans la bouche d'un coup quoi. Donc ouais, je sais pas, je dirais sur le château normal, durée de vie équivalente à Symphony. Sachant que Symphony of the Night, avec le château retourné, ça avait quand même... c'était non négligeable, hein, la durée de vie. Et il me semble pas avoir jamais retrouvé ce genre de façon de faire. Donc, bah écoute... «
Elles sont franchement pas dures à taper, mais. Ok. Ok. Tout simplement. Par pitié, ne blessez pas mes filles. Je vous en conjure. Pardon. Ok, t'es pas censé être un giga gros boss, toi. Bon. Pourquoi essaies-tu de m'arrêter? On connaît la vérité. Vous n'êtes pas vraiment parents, pardon. La famille ne se résume pas à une question de sang, nous sommes unis par nos âmes mêmes. Assez, il faut fuir le château, hein. Je ne veux plus pas mettre mes filles en danger plus longtemps. Détruire ce château, c'est ce que vous voulez, non? Adieu. D'accord. Ok. Bronner, il se casse comme ça. Bien. Vous êtes pas sérieux là. Mais nous avons empêché Dracula de ressusciter, c'est pas si mal, tu ne crois pas. Ce que je pense t'intéresse, je suppose que tu as raison. Après tout, je me sens un peu responsable de toi, alors. Où est Vincent? Tu crois qu'il a pu s'échapper? Je savais qu'il y avait un truc. N'aie crainte, il va bien. Eric, c'est vrai, Dieu merci. Désolé de ne pas avoir pu tenir moi. C'est pas la fin, c'est pas possible. C'est pas possible, ce n'est pas la fin. Mais j'ai une dernière requête, mes filles. Tue-les ou un truc du genre. Je me demande ce qu'ils voulaient nous demander. Aucune idée, mais regarde, aucune trace de Bronner pour le moment. Tu as raison, ni des deux autres d'ailleurs. Bon, alors partons, Charlotte, ok. Ou alors je me suis chopé la mauvaise fin. C'est ça. Je me suis chopé la mauvaise fin. Bon. D'accord. Je me suis chopé la mauvaise fin. Alors la question c'est, du coup, comment choper la bonne fin? Parce que là, du coup, est-ce que je peux passer par là? Toujours pas, hein. Non mais attends, là j'ai une fin de chiotte là. J'ai clairement une fin de chiotte. 91% du château. Il me manque 10% de château là. Alors qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait là dedans? Je suis en train de voir la carte. Alors il y a des gros trous un peu partout. Ça veut peut-être pas dire pour autant qu'il y a. Il y a quelque chose au milieu. Je suis en train de chercher. Apparemment, je n'ai pas laissé. Si, en dessous, il y a un tout petit passage. Visiblement. Attends. Le sort Sanctuary. Mais j'ai pas Sanctuary en sort. Je n'ai pas le sort Sanctuary. Alors il faudrait voir. Faudrait voir ce que c'est ce fameux sort Sanctuary. Parce que là c'est de nouveau Loretta et Bidule. Alors, on se calme. Voilà. Tiens, il y a un boss rush.
Oh, il y a un mode boss rush. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir trouver le sort sanctuary. Le problème, c'est que j'ai aucune foutue idée de l'endroit où il peut se trouver ce putain de sort. Parce que là. J'ai beau sculpter tous les endroits de la map. J'en vois pas un seul ouvert. Je vois pas une seule ouverture quelque part. Apparemment, j'ai tout raclé de ce qui est visible, on va dire. Ah, dans le désert. Ok, je me rappelle plus où c'est le désert. Alors, le désert, si. Je crois me rappeler. Je crois que c'est là le désert. Je crois que c'est là. Putain, les Perséphones, ce qu'elles prennent maintenant. Voilà, c'est là. Le désert, c'est là. Donc, on va aller save. Voilà. Et puis, ben, écoutez, les enfants, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est ça, il est 16h pétante. Bon, écoutez les enfants, on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, merci les enfants de m'avoir suivi donc pour ce live. Le parchemin se trouve dans le tableau Sandy Grave, à l'intérieur de la pyramide, là où un rocher tente de vous écraser dans une salle au sud-est. Utilisez la transformation pour vous glisser dans le tunnel de gauche et récupérer le sort. D'accord, ok. Bon, ben on fera ça donc le. Peut-être. Eh mais non, pas la semaine prochaine du coup, puisque dimanche prochain, les deux dimanches là qui arrivent. Oui, et eh oui, c'est Noël et le jour de l'an. Alors écoutez, je vais négocier avec hein, voilà, avec à côté, avec Madame. Je vais négocier avec Madame pour voir à quel moment je peux vous rattraper ça, sachant que Lolomaru en ce moment ne fait pas de live multijoueur. Je pense que je vais truster le mardi soir pour vous faire ça. Voilà les enfants, ben merci beaucoup d'avoir été présents. C'était très sympa de vous retrouver. Ça m'a fait très plaisir et beaucoup de bien, vraiment, parce que voilà, j'en avais besoin de vous retrouver. Et puis parce que voilà, je traverse une période un peu trouble de ma vie, donc il y avait besoin de revoir tous ces gens que j'apprécie voir le dimanche. Allez, je vous fais de gros gros bisous. Passez un très bon week-end. Bon courage pour la semaine de taf qui va vous tomber sur le coin de la gueule avant Noël. Et puis ben écoutez, je vous souhaite de. Si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Et puis n'oubliez jamais que vraiment la famille c'est quelque chose de très très important dans votre vie. Parlez-vous anglais? Yes. Parlez-vous espagnol? No. Pas du tout. Voilà, allez, je vous laisse. Bisous Beko et à un de ces quatre. Et je vais essayer de vous rattraper ça. Enfin, qu'on se fasse un truc mardi soir pour en finir une bonne fois pour toutes. Allez, ciao, ciao!